Bienvenue, Monsieur le Président Félix Tshisekedi. Vous êtes Président de la République démocratique du Congo. Nous vous accueillons dans ce studio de Radio Vatican. Et pour nos auditeurs qui nous suivent un peu partout dans le monde, spécialement en Afrique, et même dans votre pays aussi, à travers les radios catholiques qui nous suivent et nos partenaires comme Congo Web TV et toutes les radios d'Afrique qui vont suivre ce programme. Vous venez d'arriver. Aujourd'hui chez le pape, et c'est la première fois pour une visite officielle. Monsieur le Président, comment ça s'est passé euh, Ça s'est très bien passé. Euh, J'ai rencontré une euh, éminente personnalité euh, qui, en plus, a une euh, parfaite connaissance de notre pays, des souffrances de notre peuple et des besoins de notre pays. C'est vraiment. Euh, un acte que je vais garder en mémoire tout le reste de ma vie, parce que c'était vraiment un moment très particulier. Un moment très particulier. Il y a eu aussi aujourd'hui la ratification de l'accord cadre qui a été signé en mai 2016. Mais aujourd'hui, en votre présence, cet accord a été finalement ratifié. C'est ça. Que, que, quelles sont vos impressions Bien, ce... Cet acte est justement une façon de, de sceller un rapprochement entre l'Église catholique et l'État. Pour moi, c'est aussi symbolique de ce que le rôle de l'Église catholique doit être en République démocratique du Congo. Vous savez que depuis des années, l'Église catholique a joué un rôle prépondérant. Dans la vie politique, dans la vie sociale aussi, euh, culturelle euh, et, et autres. Euh, et je pense que, euh, en signant euh, cette euh, ratification, euh, cet accord cadre, euh, je pense que c'est symbolique de ce que désormais seront les relations entre l'Église catholique et, et l'État congolais. Quand vous êtes passé ici au mois d'octobre, euh, Monsieur le Président, pour euh, assister au cardinalat de l'archevêque de Kinshasa, fait, euh, Fridolé Bongo, vous aviez dit qu'on rencontrera rapidement le Président. Vous l'avez invité pour visiter votre pays, la République démocratique du Congo. Vous le avez pape, encore réitéré cette demande cette fois-ci? Oui, oui, oui euh, absolument, oui. Cette fois, je l'ai fait euh, de manière euh, officielle, étant donné euh, le, le, le caractère officiel de la, de la rencontre, euh, et j'ai promis même de faire suivre une invitation écrite euh, et officielle. Et j'ai vu euh, sur le visage euh, de la sa sainteté, euh, le pape François, une une joie immense. Et il l'a dit, il a exprimé aussi. Euh, la joie qui sera la sienne de venir en République démocratique du Congo. Et j'ai souhaité euh, que ce soit en 2021, euh, année où si tout va bien, euh, j'exercerai euh, la présidence euh, de l'Union africaine. Euh, et donc euh, à ce moment-là, ce serait une grande année pour la République démocratique du Congo de recevoir le Saint-Père. Il y a, dans notre de, dernière interview, vous aviez dit que vous préférez qu'on vous appelle, qu appelle Fatih. Et <laughs> maintenant, on a ajouté Fatih Beton. Il y a un sens à cela, M. <laughs> le Président bon, faut, Je ne sais pas, il faut demander à ceux qui, qui m'ont affublé de, de ce sobriquet. Euh, je crois que c'était euh, en rapport avec euh, les, les travaux du programme d'urgence des 100 jours suivant mon, mon arrivée à la tête du pays. Euh, c'est affectif, euh, mais je crois que euh, ici, le, le plus important, c'est de continuer euh, dans le sens euh, du travail pour le peuple, pour euh, le pays, parce qu'il y a beaucoup de besoins auxquels il faut répondre. Faisons un, peu, petit, un petit tour de votre pays. On profite de l'occasion que vous êtes là, un petit tour, en commençant d'abord par la situation dans l'Est des pays qui est toujours un peu sous la menace des de milices, mmh. sous la menace des de groupes armés. Maintenant, il y a un pas en avant avec les forces armées de votre pays. Absolument. Il y a aussi le problème d'Ebola qui se calme. Et comment va la situation à l'est du pays? Oui, je crois qu'il y a vraiment une note d'espoir, d'abord par rapport à la sécurité de nos populations, surtout au Grand Nord, à Béni où nous avions été envahis par un groupe armé qui a en plus fait allégeance à l'État islamique, à Daesh, le groupe des ADFMTM, que nous avons combattu de la manière la plus dure qui soit, et ce n'est pas terminé. Ici, je voudrais saisir l'occasion pour rendre un vibrant hommage à nos forces armées. Euh, de la République que, 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 que l'on a souvent euh, vilipendé, euh, euh, parfois à tort, souvent même à tort, et dont on ignore euh, vraiment la bravoure. Euh, J'étais je, je, aussi de ceux qui ignoraient les, 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 les faits, les grands faits de, de notre armée, et depuis que je suis à la tête de ce pays, je m'en suis rendu compte et je me suis juré de tout faire pour euh, que nos forces armées. Euh, celles qui protègent notre territoire, nos vies, euh, à nous Congolaises et Congolais, euh, tout faire pour que euh, leurs conditions de vie soient améliorées. Et c'est ce que je fais, c'est euh, pour cela que j'ai lancé cette offensive, en essayant de mettre euh, toutes les meilleures conditions qui soient, bien, bien que ce, on n'y est pas encore vraiment, euh, mais au moins, ce sont euh, de braves citoyens qui ont, de manière admirable, euh, mis en déroute l'ennemi, et ça va continuer parce qu'il y a encore quelques poches. Euh, mais sinon, de ce côté-là, les nouvelles sont bonnes. Euh, idem, idem pour euh, le problème de la fièvre euh, à virus Ebola, euh, qui est en voie d'éradication, euh, grâce euh, au savoir-faire euh, d'un fils du pays, là également. Euh, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, euh, qui s'est de manière euh, admirable euh, déployé avec euh, son équipe pour euh, lutter contre euh, ce fléau. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec euh, satisfaction que la maladie a vraiment reculé et elle est en voie de disparaître. Une autre bataille pour vous, monsieur le Président, c'est la gratuité de l'enseignement, honnêtement. Oui. La gratuité, ça va, elle prend, euh, elle a déjà pris effet, elle, elle est euh, en pratique. L'avantage euh, de cela, c'est que nous avons cette année, rien que cette année, euh, enregistré sur l'ensemble du territoire national plus de deux millions euh, et demi euh, d'enfants de, de, euh, qui sont retournés à l'école, qui étaient en dehors du circuit scolaire. Plus de deux millions et demi, selon les chiffres, à mon avis, euh, ça doit être même plus. Euh, L'inconvénient évidemment, c'est que euh, nous n'avons pas suffisamment d'établissements pour absorber cette masse et on, on trouve maintenant des, des, des classes qui sont en surabondance d'élèves. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que l'essentiel ici, c'est de dispenser euh, les, les enseignements, euh, l'éducation, parce que nous avons une population en majorité jeune qui a besoin d'être éduquée parce que c'est elle qui prendra les rênes de notre pays demain, et si elle ne l'est pas, avec les enjeux à venir, ça va être dangereux pour euh, non seulement notre pays, mais également toute la région, euh, voire le continent. Et donc, euh, pour nous, c'est un, une priorité des priorités. L'enseignement gratuit, ça, euh, nous allons continuer. Nous avons des difficultés, mais euh, l'espoir ici, c'est euh, que c'est un message qui a été euh, entendu. Surtout dans les institutions financières internationales euh, et qui, 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 lesquelles d'ailleurs se sont promises de nous accompagner dans, dans ces efforts. Et je suis convaincu que, euh, avec la, la, la dynamique que, que j'impulse euh, sur le plan euh, de, économique pour euh, euh, avoir augmenté les recettes du pays. Je pense et je suis convaincu que nous tiendrons, nous tiendrons ce, ce défi et nous irons même plus loin parce que le but, c'est d'aller au-delà du primaire, de l'enseignement primaire, d'arriver à l'enseignement secondaire, voire même le supérieur. Avec les changements que vous apportez dans votre pays, et les gens se demandent aussi à quand la fin de Go passe et à quoi sert cet argent. Oui, c'est une très bonne question. Nous sommes euh, en train de, de, de faire euh, une analyse de tout ça. Attention, le, le Gopas n'est pas euh, foncièrement mauvais dans, dans, dans le sens où c'est une taxe comme partout au monde on trouve des taxes d'aéroport. Maintenant, le but, c'est de savoir ce qu'on en fait. Et donc, euh, je profite peut-être de cette occasion pour dire que ce sera le cas pour tous les secteurs de la vie publique. Il y aura des audits qui seront... Euh, très bientôt euh, euh, lancé, diligenté, pour euh, faire euh, un état des lieux de la situation afin de, de connaître nos capacités à mobiliser euh, les, les ressources et à faire face euh, à la lutte, à faire face plutôt à ce fléau, euh, la corruption, euh, qui a gangréné euh, notre administration et notre économie. Donc euh, il y aura des audits très prochainement. Euh, qui vont déterminer notre nouvelle façon de gérer la République. Les gens, vous reconnaissent, les gens reconnaissent votre sincérité quand vous parlez et votre ouverture aussi. Et on voudrait aussi savoir le dossier des 15 millions. Ben, le dossier de 15 millions, c'est bien de, de poser cette question. Il, il se trouve pour le moment entre les mains de la justice. Donc je ne peux pas commenter les... Les, les, les affaires de, de justice euh, tout ce que je peux dire c'est que euh, j'ai tenu à ce qu'il euh, n'y ait de pression sur personne euh, que le travail des inspecteurs de finances soit euh, effectué et cela s'est passé euh, comme euh, je le voulais et aujourd'hui euh, le dossier à la justice n'est plus mon affaire. Et vous parlez souvent des problèmes de mentalité, des changements de mentalité, oui. et ça c'est positif. Et c'est une tâche difficile. Votre prédécesseur avait parlé de chercher, je crois, si je ne me trompe pas, 15 collaborateurs qui peuvent l'aider dans, dans son travail. Vous, vous avez trouvé un peu plus, au moins <laughs> Bon, ça c'est... je ne vais pas le dire euh, pour que mes collaborateurs euh, le sachent, c'est mon, mon secret, on va dire. Euh, mais je crois, je crois qu'effectivement, euh, le grand défi, euh, mon prédécesseur avait, avait raison en tout cas, euh, c'est d'être bien entouré. Le grand défi d'un dirigeant, d'un leader politique, c'est d'avoir une équipe euh, qui, qui peut l'accompagner dans la réalisation de ses objectifs. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Parce que vous savez, là où il y a les hommes et les femmes, euh, il ne manque pas de problèmes donc il faut gérer ces problèmes euh, mettre tout le monde en ordre de bataille euh, et tout, tout ce qui est euh, futilité et se concentrer sur ces euh, efforts. ce n'est pas évident c'est un combat de tous les jours parce que nous venons de divers horizons avec nos éducations nos formations etc. et cela euh est une autre façon de gérer la République. C'est très difficile, en, en effet. Et les derniers incidents des étudiants à l'Université de Kinshasa, Monsieur le Président euh, Oui, ils sont très regrettables, très regrettables dans la mesure où euh, toutes les précautions avaient été prises, euh, du moins euh, au, au, par rapport à, à, à la fixation de, de ces frais, du montant de ces frais. Euh, de, de, euh, et c'est regrettable de voir que, euh, alors qu'on avait euh, favorisé la discussion, euh, on avait, euh, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, euh, mis ensemble toutes les parties, euh, donc les enseignants, les, les, les étudiants et tout ce qui tourne autour, euh, ceux, les représentants du ministère euh, de, de, de l'enseignement supérieur, euh, tout ça euh, avait été fait pour éviter la catastrophe, mais elle est quand même arrivée. C'est l'œuvre, à mon avis, de, de certains euh, jeunes qui, qui sont d'ailleurs même en dehors euh, du, du parcours universitaire, pour euh, la plupart, et qui ont voulu, euh, qui ont sûrement été manipulés et voulu donner une connotation euh, politique euh, à cette affaire, alors qui que, qu n'en est pas une, en fait. Euh, et ça, c'est vraiment regrettable parce qu'il y a eu mort d'hommes un policier est décédé, euh, c'est déplorable parce que euh, ça vient quand même des étudiants. Les étudiants, c'est la crème, c'est, comme je disais tout à l'heure, les, les futurs cadres de la République demain, et c'est un très mauvais message. Mais euh, qu'à cela ne tienne, nous avons pris euh, maintenant toutes les dispositions. Le, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a réuni encore euh, toutes euh, les parties en présence et a chargé les professeurs et les, et les, les cadres de l'université de décider très prochainement de la reprise des cours. Alors, nous avons profité de l'occasion pour euh, lancer des travaux euh, de restauration des homes parce qu'ils étaient dans un piteux état. Les étudiants vivaient vraiment dans des conditions infrahumaines et puis il y avait tout et n'importe quoi dans ces homes. On trouvait même des gens qui n'étudiaient plus depuis, depuis longtemps des anciens étudiants qui avaient déjà euh, fini euh, leurs études, reçu leur diplôme et qui, qui habitaient là-bas, et, et ainsi de suite. Donc euh, nous allons profiter de cette occasion pour euh, euh, remettre de l'ordre là-dedans. Quant aux étudiants euh, qui vont surtout, y a, on, a, on, est, on doit faire face à, à, à ces étudiants qui sont venus de, de l'intérieur du pays et qui n'ont pas de, de famille pour la plupart euh, à Kinshasa, et donc, euh, on va voir, on va les recenser pour voir comment est-ce que, dans un premier temps, on peut assurer leur logement et euh, le transport de tous ceux qui vivaient euh, sur, dans les Homes et qui sont obligés maintenant de faire des navettes. Nous pensons à, à, à mettre des bus sur des endroits stratégiques de la ville et euh, ces bus vont euh, effectuer euh, des navettes le matin pour amener les étudiants euh, à leur cours et le soir pour les ramener euh, à la maison. Donc, ça se fera en deux, en deux temps. Euh, C'est à cela euh, que, que nous nous, nous attelons euh, au niveau du gouvernement euh, et nous espérons que, ne plus jamais connaître ce genre d'incident. Euh. Monsieur le Président, comment va, comment va la coalition Cash-FCC euh, Ça va, on va dire dans l'ensemble, euh, avec euh, des hauts et des bas. Vous savez, il y, y a eu. Euh, de part et d'autre euh, comme ça des, des envolées oratoires qui, qui ont un peu mis euh, le, le feu euh, des fois. Mais je, je pense que c'est inhérent à, à une, une, une expérience aussi, aussi nouvelle, aussi euh, inédite que, que qu la nôtre. Euh, nous n'étions pas du tout préparés euh, à, à vivre cela. la coalition pas du tout euh, c'est vraiment un accident de l'histoire. Euh, même si euh, en politique avertie, nous aurions pu euh, prévoir le, le coup, parce que moi, moi je me rappelle qu'il y a dix ans, j'avais fait une interview euh, euh, à Kinshasa où je parlais de ça, que c'était possible un jour que les Congolais décident d'envoyer euh, un opposant euh, à la présidence et de, de, de maintenir euh, l'Assemblée euh, euh, aux mains de, de ceux qui étaient au pouvoir à ce moment-là. Donc, euh, euh, c'est possible, on, le, on peut l'évoquer, mais on, on est quand ça arrive, on, on est quand même surpris. Donc c'est une nouvelle expérience dans la vie politique de notre pays, et nous sommes en train de la, de, de la vivre avec évidemment ses hauts et ses bas. Donc ça, l'essentiel, c'est de ne pas perdre l'objectif premier, qui est le service à notre peuple. Et, euh, et d'assurer la, la, la paix, la sécurité sur l'ensemble du, du territoire, et de tous les jours se battre pour l'amélioration de la qualité euh, de vie de nos concitoyens. Moi, c'est ça qui m'importe le plus, et je ne vois personne, que ce soit au sein de la coalition ou ailleurs, euh, m'empêcher de remplir cette mission. De servir votre peuple. Et s'il ouais. fallait, c'est une question qui me vient comme ça, Monsieur le Président, s'il fallait choisir entre la coalition et le peuple d'abord. Ah, le peuple d'abord, forcément, toujours. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'existe, c'est pour ça que je suis en politique. C'est pour servir mon peuple, servir mon pays, euh, faire de ce pays euh, euh, le, 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 le leader qu'il mérite d'être. La République démocratique du Congo, moi je suis convaincu, est un pays béni, euh, qui a un grand peuple et ce peuple mérite un meilleur sort que celui qu'il vit en ce moment. Et je crois qu'aujourd'hui nous sommes tous d'accord. Euh, Qu'il faut faire quelque chose pour ce peuple et nous y travaillons. Le 30 juin de cette année, votre pays, la République démocratique du Congo, va accomplir 60 ans d'indépendance. Oui. Mmh. Quel Congo arrive à 60 ans d'indépendance et que comptez-vous faire, Monsieur le Président euh, Bon, évidemment, on va les préparatifs. Euh, enfin, la, les réflexions ont déjà commencé. Il faut euh, euh, très bientôt, on va installer le, le comité organisateur des festivités, mais euh, le bilan que je peux en faire après 60 ans, c'est que, euh, très sincèrement, moi je pense que nous avons un peuple qui est arrivé aujourd'hui à maturité. Euh, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de difficultés euh, d'ordre social, euh, c'est vrai, euh, mais euh, le peuple est mûr. Aujourd'hui, je crois que c'est un peuple qui n'est plus euh, à même d'être manipulé et euh, amené à faire euh, des choses contre son gré ou contre ses intérêts. ça c'est un grand avantage un peuple qui a compris qu'il veut une, un congo uni, une, une nation euh, euh, prospère et qui est devenu très exigeant grâce à sa maturité parce que il exige de nous acteurs politiques de euh, le servir comme il se doit et je crois que euh, en, en allant dans ce sens de favoriser, l'instauration d'un état de droit euh, en favorisant euh, davantage euh, l'expression euh, des libertés et, euh, de, de, et, de, et des droits de, de notre peuple je pense que nous, nous arrivons très vite euh, à un niveau que beaucoup nous envieront parce que euh, le peuple congolais comme je l'ai dit est un peuple leader et qui, qui a eu euh, beaucoup de difficultés ces derniers temps avec les guerres et, et tous les systèmes politiques qu'il y a eu, mais qui euh, aspire à, à vivre en paix et euh, en bonne entente, en tout cas avec euh, tous ses voisins. Vous êtes un homme de paix. Est-ce qu'un jour vous comptez rencontrer l'opposition pour parler, pour dialoguer euh, mais je, je rencontre déjà l'opposition. Il hein. y en a qui, qui m'envoient des, des messagers, il y en a que je rencontre aussi, que je reçois. Euh, je ne sais pas s'il faut le faire de manière symbolique, mais pour quelles raisons euh, Je crois qu'en garantissant déjà euh, les, les droits et les libertés de chacun, j'ai déjà rencontré leur euh, désiderata. Pour le reste, je leur souhaite euh, bonne chance dans, dans leur évolution. Et rendez-vous en 2023, lorsque il y aura encore une autre compétition électorale. Monsieur le Président, un mot de la fin, un message ben, Le message, ça ne peut être qu'un message de paix, parce que je me trouve ici au Vatican, qui est l'antre même de la paix dans le monde. Donc mon message, c'est celui d'espoir, d'espoir d'arriver à la violence zéro en République démocratique du Congo. Nous sommes sur la bonne voie et nous n'allons pas du tout nous décourager. Je ne me reposerai que le jour où aura, j'aurai atteint le degré zéro de violence en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, c'était un honneur pour nous de vous recevoir ici, moi, et il ne vous reste aussi. plus qu'à vous remercier. Si vous pouvez juste dire Merci, un père. petit mot, envoyez une salutation à votre peuple qui nous suit à travers Radio Vatican en une langue locale, et on aura fini. Oui, banamboka, banakongo, nasa ne sengo ya que wa Vatican, Papa wa Roma, auti koyambangai, a, a sengo. alakisi ngakte ayebi makambo nyonso makambo maso oyo e ezali koleka na kongo ayebi bapasi na biso ayebi minyoko na biso mpe atodiino atondi bino, a, bino uh, botondi mpo na maye uh, maso bozali kotombela ye mpe alaki biso aya kotala biso na 2021 na kongo etikali kaka nde nakomela ye mokanda bongo nsima akoka koya kotala biso